أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة السلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين الله existe, il n'y a aucun doute sur le sujet de son existence. Il existe sans comment et sans endroit. Allah Ta'ala dit Afillahi ashak surat Ibrahim, ce qui signifie il n'y a pas de doute au sujet de Allah. Le hadith rapporté par Muslim Allahumma anta al-zahiru falaysa fawqaka shay wa anta al-batinu falaysa dunaka shay, ce qui signifie ô Allah, tu es al-zahir, rien n'est donc au-dessus de toi, et tu es al-batin, rien n'est donc au-dessous de toi, ce qui signifie que Allah existe sans endroit. Al-Hafiz al-Bayhaqi a dit celui qui n'a rien au-dessus de lui et rien en dessous de lui n'est donc pas dans un endroit. Quant à la signification de la parole de Allah Azza wa Jal, wa huwa ma'akum aynama kuntum, cela signifie que Allah englobe tout par sa science. C'est ce que a dit Sofyan al-Thawri, al-Shafi'i, Ahmed, Malik et d'autres. Allah Ta'ala dit « وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا » اللهم توفنا على الإيمان واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين